Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle webconférence organisée par Grisby sur le thème du private equity. Donc, je suis Maxime Camus, directeur général de Grisby. Grisby, vous le savez, c'est votre coach financier qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine et d'être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment en matière d'optimisation fiscale et patrimoniale. Aujourd'hui, donc, pour nous permettre de bien appréhender cette thématique du private equity, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux experts, deux partenaires experts du sujet, Raphaël Hassan, Dodo BHF, Hervé de Roquefeuille d'un, deux, troisième. Et nous avons également le plaisir d'avoir la participation de Lysia Violo, qui est conseillère chez Grisby. D'ailleurs, Lisa, je vais vous laisser vous présenter tous les trois rapidement. Lisa, est-ce que tu veux nous dire un mot, s'il te plaît, de présentation? Alors, bonjour à tous, je suis Lysia Violo, conseillère en gestion de patrimoine chez Grisby. J'accompagne mes clients dans l'optimisation de leur épargne. Merci, Lisa. Hervé, un petit mot de présentation? Bonjour à tous, donc Hervé de Roquefeuille, donc je suis le responsable commercial de 1-2-3IM, donc qui est un fonds de private equity qui exerce depuis donc 20 ans sur le marché français. Et donc j'aurai la chance de vous distiller quelques éléments sur notre gamme tout à l'heure au cours de la conférence. Très bien, merci Hervé. Raphaël? Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Hassan. Moi, je suis en charge de toute l'offre private equity et dette privée pour la maison Oddo BHF. Moi, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là. Je suis un ancien actuaire. L'idée, c'est qu'on va vous proposer avec Hervé des solutions assez complémentaires et vous faire découvrir, je pense, cette classe d'actifs. L'esprit, c'est qu'un petit peu comme un 2-3IM, notre maison a également 20 ans d'expertise et d'intériorité sur la classe d'actifs. Voilà, et n'hésitez surtout pas à poser des questions. L'idée est donc que cet échange reste interactif. Merci. Très bien, merci. Merci à tous les trois. Effectivement, bah, pour ceux qui ont déjà participé à l'une de nos précédentes webconférences, vous le savez, vous avez la possibilité de nous poser des questions à travers cet outil. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse compiler vos questions et on accordera un temps justement de questions-réponses à l'issue des trois interventions. Donc, bien sûr, on vous invite à participer et à poser des questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes vos questions. En tout cas, on se chargera de le faire, si possible, à la fin de notre échange et sinon dans un deuxième temps. Merci à tous, en tout cas, de participer à cette nouvelle webconférence. Pour démarrer, Lisa, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi chez Grisby on s'intéresse au private equity et finalement pourquoi on propose à nos clients et prospects de participer à cette nouvelle webconférence. Merci, Lisa, pour ton éclairage. Alors, pour commencer, je vais vous parler un peu de Grisby pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Grisby, qu'est-ce que c'est? Grisby, c'est un outil en ligne qui vous permet de synchroniser l'ensemble de vos comptes, mais également d'y renseigner votre patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire pas mal de simulations, des simulations sur votre imposition, sur la future transmission ou même sur la diversification de votre patrimoine. En complément de l'outil, vous avez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine, pardon, qui vous accompagne sur la durée afin d'élaborer ensemble des stratégies patrimoniales en fonction de votre profil, donc de votre situation professionnelle, personnelle et de vos objectifs sur le court, moyen et long terme. Grisby, donc le cabinet, fonctionne vraiment en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner pour vous sur le marché les meilleurs produits. Ça, c'est très important et ça nous permet aujourd'hui de vous proposer pas mal de contrats d'assurance vie, de plans d'épargne retraite, de SCI, mais également des produits un peu plus exotiques. On va essayer de sortir des sentiers battus en vous proposant par exemple l'investissement dans la forêt. Alors, on a pas mal de clients qui font ça pour la défiscalisation. On va vous proposer également tout ce qui est gérardin industriel, donc l'investissement en outre-mer. Et sujet du jour, le private equity. Alors, le private equity, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Parce que nos partenaires reviendront plus dans le sujet que moi. Vous investissez directement au capital de société pour leur création ou leur développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le private equity était auparavant vraiment réservé aux institutionnels ou alors aux particuliers, mais très fortunés, avec des mises de départ, enfin, des tickets d'entrée de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ça a tendance à se démocratiser. On peut investir dans le private equity à partir de 5, 10 000 euros. Ça va dépendre du private equity.
Nous, au cabinet, on a de plus en plus de demandes sur le private equity. Pourquoi ? Pour deux raisons, deux principales raisons. La première, c'est que vous investissez dans des actifs qui sont non cotés. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous serez moins impacté en cas de forte fluctuation des marchés boursiers. Deuxièmement, on l'a vu aujourd'hui, les investisseurs cherchent de plus en plus à donner du sens à leur épargne. On a pas mal de personnes qui nous appellent et qui veulent notamment, par exemple, dans leur contrat d'assurance vie, des fonds ISR. Depuis le début de la crise sanitaire, on a pas mal de personnes qui, justement, cherchent à soutenir l'économie française et du coup, l'économie, les entreprises qui, aujourd'hui, vont peut-être un peu moins bien faire. Donc, on va vraiment avoir cette envie, ce désir de la part des investisseurs de mettre leur argent dans des choses qui leur tiennent à cœur. Et donc, pas forcément aller chercher... On ne pense plus juste au rendement. On pense également à ce dans quoi on va investir. Le private equity, ça a extrêmement, comment dire, ça a très bien évolué sur les dernières années. On est vraiment sur une croissance en termes de collecte depuis les 10 dernières années. À titre d'exemple, en 2019, selon France Invest, c'est plus de 20 milliards d'euros qui ont été collectés dans le private equity français. Au premier semestre 2020, donc malgré la crise sanitaire, c'est plus de 7 milliards d'euros qui ont été investis et qui ont permis de soutenir plus de 1000 entreprises. Ces 1000 entreprises, ça peut être des start-up, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, à qui s'adresse le private equity ? Le private equity, ça va vraiment s'adresser à des investisseurs aguerris. On n'investit pas dans du private equity comme un premier investissement. Il faut bien prendre en compte que c'est un investissement qui est risqué et qui est illiquide, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas récupérer vos fonds avant la fin de la durée de blocage qui est souvent aux alentours de 6 ans. Si aujourd'hui, vous avez un profil de risque plutôt prudent ou alors équilibré, ce n'est pas forcément vers le private equity qu'il faudra se tourner. En tout cas, si aujourd'hui, le private equity, pour vous, c'est un investissement qui peut avoir du sens et que vous vous y intéressez, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est justement là pour vous aider et voir ensemble si ça peut correspondre à votre profil et à vos objectifs d'investissement. Comment investir dans le private equity ? Aujourd'hui, vous avez pas mal de véhicules d'investissement qui vont vous permettre d'investir là-dedans. Vous avez, par exemple, vous pouvez investir en direct, vous pouvez investir à travers un contrat d'assurance vie, à travers du crowdfunding, à travers un fonds commun de placement à risque. Le réel avantage en investissant à travers un FCPR, un fonds commun de placement à risque, c'est que vous allez avoir un avantage fiscal à la sortie au niveau de l'imposition. C'est-à-dire qu'au lieu d'être imposé au prélèvement forfaitaire unique, qui est donc de 30%, vous serez uniquement imposé aux prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui est très, très avantageux. Voilà, alors moi, je pense que j'ai fait le tour sur ma partie. Je vais laisser Hervé nous parler de son FCPR. Merci, merci beaucoup Lisa pour cette introduction. Alors effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est que le private equity, notamment à travers le FCPR, s'inscrit dans une logique de démocratisation depuis quelques années. Et quand on parle de démocratisation, ça ne veut pas forcément dire de dégradation, pas du tout, hein, de la qualité. C'est-à-dire qu'on arrive à maintenir un très, très bon niveau de qualité en termes d'investissement private equity avec des tickets d'entrée beaucoup plus faibles que les années précédentes. Ça s'inscrit dans une logique de diversification, vous l'avez bien compris. Donc là, je m'adresse à tous les participants. Lisa, donc conseillère chez Grisby, au même titre que l'ensemble des autres conseillers, seront là à votre disposition également après cette webconférence si vous souhaitez développer tel ou tel point sur cette thématique ou sur d'autres thématiques patrimoniales, bien sûr. Toute l'équipe de conseillers là pour vous aider, répondre à vos questions et vous accompagner. Le private equity, c'est un sujet d'experts. On le disait, nous, on a des experts historiques chez Grisby qui sont à 2-3e et Oddo BHF. Et on est très heureux de nos partenariats avec ces deux maisons dont l'activité cœur est vraiment l'investissement dans l'économie réelle à travers le private equity. Je vais laisser maintenant Hervé prendre la parole pour nous présenter justement son offre du moment. Hervé, c'est à toi, je te remercie. Bonjour Maxime. Merci Maxime. Effectivement, et merci pour l'introduction qui a été faite effectivement sur cette très belle classe d'actifs qui est le private equity, la private debt. Effectivement, ça va dans cette logique un petit peu de la loi Pacte, hein, qui a été lancée il y a quelques temps maintenant et avec cet objectif de flécher l'épargne des Français vers les PME et ETI françaises. Donc voilà, c'est vrai que cette classe d'actifs, effectivement, ça a été dit, était souvent réservée soit à des grandes fortunes, soit à de grands institutionnels. Elle a tendance vraiment à se démocratiser parce que
Déjà, il y a une baisse sensible des rendements sur les classes d'actifs traditionnels. Vous l'avez tous constaté, je pense, même si vous avez une allocation très diversifiée, malheureusement, voilà, les rendements s'étiolent un petit peu partout. Il y a des marchés financiers qui sont, voilà, ce qu'ils sont aujourd'hui, soit trop haut, soit trop bas, on ne sait jamais vraiment où se situer. Et puis, il y a aussi de plus en plus d'investisseurs qui veulent, voilà, donner du sens à leur investissement, investir dans l'économie réelle, être au plus près des participations, j'ai envie de dire, dans lesquelles ils vont investir. Et c'est vrai que c'est ce que propose le private equity, le non-coté, et notamment Share de Troyes, parce que nous, depuis 20 ans, on a injecté à peu près 2 milliards d'euros aux côtés d'entrepreneurs dans des projets, effectivement, de création, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans des projets de développement, c'est-à-dire des entrepreneurs qui sont à la tête de sociétés de taille significative et qui veulent croître, se développer à l'international, racheter un concurrent, etc. Et on va les accompagner en leur apportant soit des fonds propres, donc on a vu tout à l'heure avec de la prise de participation au capital, soit en les accompagnant via un financement sous forme de dette, sous forme obligataire, donc c'est des obligations converties. Mécaniquement, il y a un risque qui est moins élevé, on l'évoquerait tout à l'heure, et c'est un instrument qui nous plaît bien parce que justement, pour les primo-accédants au non-coté, c'est un support qui peut effectivement avoir tout son sens pour mettre son pied à l'étrier, j'ai envie de dire, sur cette belle classe d'actifs du non-coté, qui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, s'est grandement démocratisé. Alors, je ne vais pas, bien évidemment, vous faire une présentation très longue hein, sur le sujet, mais juste vous donner quelques éléments, que vous ayez en tête quelques éléments sur la classe d'actifs, sur la société de gestion, sur le fonds qu'on propose et qu'on met à votre disposition. Et comme ça, ça fera naître, en tout cas, je l'espère, des envies d'aller un petit peu plus loin et les conseillers de Grisby seront à votre écoute pour en parler. Je l'ai évoqué tout à l'heure, un 2-3e société de gestion 100% indépendante qu'on a créé donc il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 2 milliards d'euros d'injectés dans l'économie française. On est un des premiers investisseurs sur des entreprises dont la valeur est comprise entre 0 et 30 millions d'euros. Donc ça, on est extrêmement content. C'est vraiment notre cœur de cible. Nous, on va vraiment cibler des PME qui ont voilà cette valeur d'entreprise, on va dire entre 3 et 30, 40 millions d'euros. C'est un secteur sur lequel il y a un petit peu moins de monde, donc mécaniquement moins de concurrence, donc plus d'opportunités d'investissement. On fait très peu de capital risque. Capital risque, c'est vraiment quand on finance des startups, des jeunes sociétés qui n'ont pas forcément d'historique de résultats. On n'en fait pas beaucoup chez un 2-3e parce qu'on trouve que le risque est trop important. Et on ne va pas non plus sur les très larges capitalisations, entre guillemets, très grosses entreprises parce qu'il y a également beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. On est vraiment sur ce petit créneau, j'ai envie de dire, des entreprises de taille, on va dire, de PME, de PME petite ETI. Et c'est un secteur qu'on aime bien parce que voilà, les gens le maîtrisent bien depuis longtemps et c'est un secteur qui parle, bien évidemment, on va dire, à nos investisseurs. Depuis 20 ans, on l'évoquait tout à l'heure, un 2-3e met à disposition d'investisseurs privés ou d'investisseurs institutionnels des solutions d'investissement pour diversifier leurs allocations patrimoniales, pour dynamiser ces mêmes allocations. Et on aime bien, nous, se vendre, entre guillemets, comme des acteurs du non-coté en bon père de famille. C'est-à-dire que, et je rejoins ce qui a été dit en introduction, on n'est pas dans une logique, dans les produits qu'on propose, dans une logique de performance absolue. On va vraiment s'attacher, j'ai envie de dire, à essayer de promouvoir et de fournir à nos clients le meilleur couple rendement risque. Et si vous verrez dans nos thématiques d'investissement, et on le verra tout à l'heure aussi dans notre historique de résultats, on est sur des sujets, des thématiques d'investissement qui, on est sur des PME, sur des entrepreneurs qui ont un historique de résultats. On n'investit pas, encore une fois, sur des PME qui viennent d'être créées. On investit sur des objets déjà matures pour les accompagner dans leur développement. Et ça, mécaniquement, quand vous investissez sur un objet qui tourne déjà, mécaniquement, vous prenez un petit peu moins de risques. Donc, mécaniquement, la rentabilité que vous allez viser, elle est un petit peu plus faible. Elle reste intéressante, on l'évoquera tout à l'heure, mais votre risque sera plus faible. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. On veut aller chercher de la performance, on veut générer de la performance pour vous, mais on veut essayer aussi d'essayer de préserver au maximum le capital que vous nous confiez. Comme vous l'avez compris, on est sur du non-coté, donc il n'y a pas de liquidité. Quand on finance un entrepreneur, quand on finance un projet, on est avec lui pour le meilleur et pour le pire. Et on ne peut pas sortir comme sur les marchés cotés où on achète une action le lundi, on peut la revendre le mardi. On a toujours des moyens
de sortir, bien évidemment, et on l'évoquera tout à l'heure, mais voilà, ça reste quand même une classe d'actifs liquide. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à se positionner sur des thématiques d'investissement qui offrent de la visibilité de chiffre d'affaires. Et là, vous avez à l'écran les thématiques d'investissement qu'on travaille chez notre IM depuis une vingtaine d'années maintenant, sur lesquelles on a la chance d'avoir un très bon track record. Ce qu'on prône avant tout chez notre IM, c'est la diversification. Parce qu'on l'a vu dans une année comme 2020, certains secteurs que vous avez à l'écran ont mécaniquement plus souffert que d'autres. Mais l'avantage de la diversification, c'est qu'au global, le portefeuille de notre IM, l'ensemble des participations qu'on accompagnait sur 2020, ont été en progression sur cette année 2020, malgré le contexte sanitaire qu'on connaît. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est permis par la diversification. Et je pense que c'est extrêmement important. On l'évoquera tout à l'heure dans le cadre de ce fonds qu'on vous propose, qui est un fonds diversifié, investi sur l'ensemble de ces thématiques. Dans ces thématiques d'investissement, vous avez effectivement l'hôtellerie, vous avez les campings, donc l'hôtellerie de plein air, vous avez les EHPAD, donc qui sont les maisons de retraite médicalisées, les résidences services seniors, on a les pharmacies, on a l'immobilier, l'éducation avec le financement de crèches, d'écoles de formation supérieure. Donc voilà, vous voyez, on a un domaine très large sur des thématiques très résilientes qui sont des thématiques normalement un petit peu tout terrain. Et quoi qu'il se passe, c'est des thématiques qui sont normalement censées pouvoir nous générer, on va dire, du revenu et du résultat sur le long terme. L'hôtellerie, bien évidemment, on pourra l'évoquer tout à l'heure si vous le souhaitez, qui est un sujet qui a été très impacté pendant cette crise sanitaire, bien évidemment, même si elle a été bien aidée, elle a été très impactée. Ça fait partie, effectivement, des sujets qui ont été un petit peu souffert chez nous. Mais à contrario, le camping, par exemple, s'est très bien passé sur l'année 2020 avec une très belle saison. Et les perspectives sur 2021 devraient être également très bonnes pour cette thématique-là, ce qui nous permet de compenser ce qui s'est moins bien passé sur l'hôtellerie. Sur les EHPAD, les résidences services seniors, ça s'est très bien passé. Les pharmacies également, ça fait partie des commerces qui sont restés ouverts. L'immobilier, pareil, la promotion, le marchand a continué à bien marcher. Donc, au global, je vous dis, c'est quand même un portefeuille qui s'est très bien déroulé. Et c'est pour ça que c'est très important, j'insiste là-dessus, ça sera le maître mot aujourd'hui. Je pense avec Raphaël, c'est ce qu'il évoquera aussi. C'est vraiment cet aspect de diversification. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, on l'a vu sur les thématiques d'investissement, bien évidemment rencontré énormément d'entrepreneurs, on voit énormément de projets, on en sélectionne malheureusement très peu parce qu'on est très exigeant sur les niveaux d'acquisition, sur le projet, sur le secteur d'activité, sur l'entrepreneur qu'on accompagne. Et on est très exigeant aussi parce que on a mis en place depuis 3 ans toute une charte ESG, donc on se veut socialement responsable dans nos investissements, avec des filtres d'exclusion, bien évidemment, sur certaines PME qui ne seraient pas dans cette charte de gestion. On oblige nos participations, nos entrepreneurs, à mettre en place des politiques ESG qu'on va mesurer de manière semestrielle, avec des objectifs chiffrés d'amélioration de ces différents critères ESG. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et je pense que c'est de plus en plus important, vous l'évoquez en introduction, et je pense que c'est extrêmement important d'avoir vraiment cette approche ESG au sein de notre processus de gestion. On a reçu, bien évidemment, tout un nombre de labels extrêmement importants et qui récompensent justement toute cette politique ESG qu'on met à disposition donc de nos investisseurs sur l'ensemble de nos fonds, et notamment sur un des fonds que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est 1-2-3 Corporate 2020, qui est un fonds de dette privée, on l'évoquera tout à l'heure, et qui a reçu notamment le label France Relance, on l'évoquera tout à l'heure, sur effectivement l'intérêt d'investir dans l'économie réelle en soutien des PME et ETI françaises grâce à ce label France Relance qui permet un petit peu d'étiqueter les produits qui sont là pour la relance et pour accompagner les entreprises françaises. Hervé, simplement une petite question. Tu nous as parlé de ESG, effectivement. Je ne sais pas si tous nos participants sont à l'aise avec cette thématique. Est-ce que tu, en 2-3 mots, tu peux juste revenir sur ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'ESG, c'est améliorer, on va dire, au sein de l'entreprise, plusieurs aspects, que ce soit sur l'environnement, d'où le E,
Donc avec tous les éléments que vous avez sur le petit graphique, donc ça peut être effectivement la réduction de consommation d'eau, le recyclage des déchets, etc., etc. Ça peut être des actions toutes bêtes qu'on a mis en place, typiquement sur dans le cas de nos pharmacies. La chance de pharmacie, c'est 20 000 points de vente en France. Je pense qu'il n'y a aucun commerce franchisé ou très peu qui a plus de points de vente que les pharmacies. Mais on a mis en place des poubelles entre guillemets pour recycler les piles, tout ce qui est attri et qui est usagé. Voilà, tous ces actes là qu'on met en place dans nos participations qui nous permettent, voilà, d'améliorer, on va dire, un petit peu l'environnemental de notre société. Le S, il y a deux S en fait dans ESG, c'est sociétal et social. Donc pareil, améliorer les conditions de travail des salariés, les conditions de travail dans nos EHPAD et notamment de nos locataires, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, tous ces sujets-là. Et puis après, la gouvernance, pareil, c'est plus sur des sujets, on va dire, de direction, de mixité, s'assurer que voilà, la mixité soit bien mise en place, hommes, la répartition de femmes, etc. Enfin voilà, tous ces critères-là qui sont aujourd'hui effectivement des notations pour nous extra-financières qui sont extrêmement importantes parce qu'ils sont garants sur le long terme d'une performance, on pense. Et c'est vrai que ça devient un argument à la fois commercial, mais pour nous, c'est pas à la base un argument commercial, c'est une volonté de la part de notre OIM de vraiment porter, on va dire, et mettre sa pierre à l'édifice dans voilà l'implication de nos entrepreneurs dans cette charte ESG qu'on s'est fixée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et avec une personne en interne qui est dédiée à ces sujets-là et qui s'assure que l'ensemble de nos participations appliquent bien cette charte ESG. Je vous l'évoquais tout à l'heure, on l'a vu, hein, pour financer un entrepreneur qui a un projet de développement, soit vous prenez une participation au sein de son capital, donc vous investissez sous forme d'action, soit vous le financez en obligataire, donc en dette obligataire, ce que vous voyez ici. Nous, c'est un instrument qu'on aime beaucoup chez notre OIM. Ça représente à peu près un peu moins de 600 millions d'euros de financement depuis une quinzaine d'années. Pourquoi on l'aime bien? Parce que l'avantage de ce financement obligataire, c'est qu'il va être non dilutif pour l'entrepreneur. Je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs autour du téléphone. Vous cherchez un besoin de financement demain, vous allez aller voir votre banque, vous avez un besoin de financement de 100, votre banque va vous prêter peut-être 60, il va vous manquer 40. Soit effectivement, vous faites rentrer un actionnaire, mais vous allez être dilué, soit vous émettez entre guillemets une dette qui va vous permettre d'assouvir votre besoin de financement de 40 mois et qui va pas vous diluer votre capital, vous allez rester seul maître à bord. Et ça, d'un point de vue entrepreneur, c'est vrai que c'est un instrument qui est assez plébiscité parce qu'il est non dilutif et il est moins onéreux en plus que le capital et il apporte le financement complémentaire que l'entrepreneur a besoin. Et puis côté investisseur, ça c'est extrêmement important pour nous aussi, côté investisseur, il y a un risque qui est plus faible que si vous en investissez au capital, bien évidemment, parce qu'en cas de faillite de la PME, le premier qui sera remboursé, c'est bien évidemment la banque. Après, ce sera le porteur obligataire. Et en dernier recours, s'il reste quelque chose, ça sera bien évidemment l'actionnaire. Et on le voit aussi également dans des périodes compliquées comme 2020. Quand vous êtes investi en obligataire, les premiers qui vont perdre de la valeur, qui vont renier, on va dire, sur leur actif, c'est les porteurs de capital. Nous, on est en obligataire dans certains hôtels, par exemple. On a de la chance d'avoir ce qu'on appelle un niveau de fonds propres au-dessus qui est tellement significatif qu'aujourd'hui, on n'est pas impacté sur notre niveau de dette parce que les actionnaires au-dessus, c'est eux qui sont en train de provisionner et c'est eux qui sont attaqués parce qu'ils sont en premier en front, j'ai envie de dire, en première ligne. Et nous, avec notre dette, on est relativement bien protégés. D'où l'intérêt pour un investisseur de pouvoir bénéficier d'un investissement sous forme de dette bancaire. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu technique sur certains aspects, mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez bien comprendre, hein, ce qu'on fait, ce qu'on peut proposer et ce qu'on met à disposition et surtout en quoi vous investissez, parce qu'encore une fois, je pense que c'est ça la grande force du non-coté, c'est qu'on peut dire de manière très claire ce sur quoi on investit et lorsque l'on lève un fonds, qu'on investit donc progressivement, vous allez au fur et à mesure savoir quelle PME vous allez financer, quel projet vous allez financer. Et ça, je pense que c'est extrêmement enrichissant. Sachant que c'est des projets qu'on va garder sur des durées de 4 à 5 ans, qui correspond à l'échéance du fonds qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, pendant 4 à 5 ans, on va accompagner
un entrepreneur dans son projet d'acquisition, de développement, etc. J'évoquais tout à l'heure, hein, ça fait 20 ans qu'on existe, on a lancé pas mal de produits historiquement, mais ça, vous aurez l'occasion d'en reparler avec vos conseillers chez Grisby. On a la chance, effectivement, de pouvoir jouir d'un excellent track record depuis 20 ans, parce que je vous le dis, c'est à peu près 600 millions d'euros, un petit peu moins de 600 millions d'euros d'obligations qui ont été gérées sur le 3IM. Et vous voyez un taux de défaut qui est très faible, parce que c'est moins de 7%. Et sur les 7% de défauts, c'est des obligations sur lesquelles on a récupéré, pour 6% d'entre eux, au moins 75% du montant investi. C'est-à-dire qu'on a prêté 100 à l'entrepreneur, il nous a remboursé au moins 75. Donc, c'est pas de perte totale. Et donc, ça, je pense que c'est également extrêmement confortable pour un investisseur de pouvoir s'assurer que la société de gestion qui va gérer ses liquidités bénéficient d'un excellent track record, financent des PME sur des secteurs résilients, et on l'évoquera tout à l'heure, met en place des mécanismes de garantie qui permettent de protéger au mieux l'investissement et l'argent qui nous est confié. Et c'est tout le sens de ce fonds dont je vais vous parler maintenant, sur les quelques minutes qui me restent, ce FCPR de 3 Corporate 2020, donc qui est un fonds de dette privée, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est un fonds d'obligation non cotée. Vous allez investir dans un fonds qui, lui, va détenir une quarantaine d'obligations réparties sur tous les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, vous retrouverez un petit peu d'hôtellerie, un petit peu de camping, un petit peu d'EHPAD, un petit peu de pharmacie, un petit peu d'éducation, un petit peu de promotion. Toujours dans cette logique de diversification, toutes ces lignes obligataires vont avoir une échéance cible à 2027, donc qui est l'échéance du fonds. Pourquoi 2027? Parce que c'est le temps, on va dire, suffisant pour que l'entrepreneur puisse générer, créer de la valeur et relever une dette traditionnelle pour nous refinancer, pouvoir nous rembourser la dette obligataire, et puis surtout pour, ce que Lisa disait en introduction, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal du FCPR, à savoir que vous avez une exonération d'impôt sur la plus-value, vous devez juste quitter des prélèvements sociaux, à savoir 17,2%. Donc, un fonds de dette diversifié, on va viser un rendement cible de l'ordre de 7% net de frais de gestion. C'est évidemment un objectif de rendement, c'est pas garanti. Vous pouvez malheureusement tout perdre dans le cadre de ce fonds, même si on l'évoquera tout à l'heure, on a mis en place le mécanisme de garantie que j'évoquerai juste après, qui permet justement d'essayer de préserver au mieux le capital qui nous est profité. On investit sur les secteurs porteurs, on l'a évoqué tout à l'heure. Encore une fois, l'objectif de ce fonds, c'est vraiment de pouvoir faire bénéficier à n'importe quel investisseur qui, voilà, bien évidemment, dans une allocation patrimoniale diversifiée, souhaite se mettre le pied à l'étrier sur la classe d'actifs du non-coté avec un fonds qui est labellisé France Relance, qui investit dans l'économie réelle sous forme de dette, donc pour préserver au mieux votre investissement et surtout pour vous encore plus vous assurer, j'ai envie de dire, on a mis en place une convention de garantie avec le Fonds européen d'investissement, donc qui est l'équivalent de la BPI, mais version européenne, et qui a voté dans le cadre du plan de relance qui a été voté en fin d'année dernière, et toujours avec cette volonté de flécher l'épargne des Français et des Européens vers les PME non cotées. L'administration dit aujourd'hui, effectivement, je voyais un monsieur tout à l'heure qui disait, est-ce qu'il y a une réduction fiscale sur le produit? Non, malheureusement, vous n'avez pas de réduction fiscale à l'entrée. Et c'est vrai que c'était un bon moyen à l'époque de flécher l'épargne des Français vers les PME non cotées, avec le dispositif notamment ISF TEPA ou IR PME, où vous investissiez dans le capital de PME et vous aviez une réduction d'impôt. Aujourd'hui, il n'y a plus ces systèmes-là, ils existent très limités. Et aujourd'hui, pour justement continuer à inciter les investisseurs et les épargnants à investir dans le non-coté sans avantage fiscal, ils mettent en place ce type de garantie qui permet effectivement aujourd'hui de couvrir. Alors, ma slide n'est pas à jour parce que j'ai eu la réponse tout à l'heure, mais aujourd'hui, c'est 50%. Enfin, hier, c'était 50% de garantie. On a eu la confirmation aujourd'hui que ça passe à 70% de garantie. Je m'explique. Ça veut dire qu'on va investir, par exemple, on va prêter 100 à un entrepreneur. Au bout de 3 ans, pour X raison, la PME fait faillite, on récupère 0. La garantie du Fonds européen d'investissement s'applique et on récupère 70. Donc, on n'aura perdu que 30. Je vous rassure, l'objectif, c'est bien évidemment de pas appliquer cette garantie, parce que si on applique cette garantie, ça veut dire qu'on a perdu 30 en l'occurrence, mais c'est toujours rassurant pour des clients qui veulent tester la classe d'actifs de leur dire que vous investissez sur un fonds qui est, encore une fois, diversifié, investi en dette et qui bénéficie de cette fameuse convention de garantie qui permettra de protéger
ligne à ligne, jusqu'à 70% des éventuelles pertes constatées qu'il y aura sur le portefeuille. Ça, c'est un argument commercial extrêmement fort et qui va dans cette logique, encore une fois, de fléchage de l'épargne des Français vers les PME et ETI françaises. Et ce fonds, donc Corporate 2020, bénéficie de cette convention garantie. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant pour vous en tant qu'investisseur qui souhaitez prendre mécaniquement un peu de risque, parce que vous voyez que malheureusement, les rendements s'effondrent un petit peu partout. Mais sans trop en prendre, ce que je peux tout à fait comprendre, surtout sur des durées d'investissement qui sont relativement longues, le mécanisme de garantie du FEI est là pour vous rassurer, pour vous accompagner à effectivement prendre un risque un petit peu plus important, bien évidemment, sur les classes d'actifs traditionnelles. Et vous l'avez vu, un risque qui est relativement maîtrisé parce qu'un fonds diversifié, parce qu'un fonds de dette en obligation et puis parce que cette convention de garantie que j'évoquais à l'instant. Voilà pour vous présenter encore une fois en quelques mots, pardon. Donc, ce FCPR de 3 Corporate 2020, donc qui est le 11e FCPR de dette privée chez un de 3IM. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a la chance d'avoir un très bon track record sur ce qui s'est passé dans le passé. On espérera bien évidemment faire aussi bien, voire mieux dans le futur. En tout cas, dans le passé, ça s'est plutôt très bien passé. Voilà, vous l'avez compris, c'est, je pense, un excellent produit bénéficiant du label France Relance. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour voilà, donner un peu plus de sens à vos investissements. Le critère ESG est très important au cœur de notre processus de gestion et ça, je pense que c'est également extrêmement important. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a quelques-unes que je découvre, on y répondra tout à l'heure, je crois. Et puis, de toute façon, encore une fois, l'ensemble des conseillers de Grisby sont là pour y répondre et je serai là au terreau, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Super, merci. Merci Hervé, c'était très clair. Ça donne envie, effectivement, donc une présentation d'une offre de qualité par une structure experte, ultra experte du domaine. Effectivement, ça attise l'intérêt et la curiosité. En parlant d'experts du domaine, d'autres experts du domaine, je vais donner la parole à Raphaël pour une présentation de l'offre Dodo. Raphaël. Bon, rebonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va aller ? On t'entend. Parfait. Donc, je me suis rapidement présenté. Donc, je m'appelle Raphaël Assan. Je me représente rapidement pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tardivement. Moi, je suis responsable de toute l'offre private equity pour la maison Odo BHF. La maison Odo BHF, je pense que vous la connaissez un petit peu. C'est une maison qui pèse 110 milliards d'euros. C'est aujourd'hui la plus grosse banque indépendante d'Europe. Ça ne se sait pas toujours. C'est, je pense, important de le repréciser. Puisque c'est une banque à capitaux indépendants détenue par la famille Odo et par les salariés. C'est un point qui est très important pour nous, puisque 60% du capital est détenu par la famille Odo et 30% est détenu par les salariés. Donc ça montre un vrai alignement d'intérêt qui pour nous est très important. Sur la partie droite de cette slide, vous voyez notre expertise en private equity, qui comme un 2-3 IM d'ailleurs, commençait à peu près dans les mêmes années, fin des années 90, donc maintenant un peu plus de 20 ans d'expérience, 2,5 milliards d'euros investis sous gestion aujourd'hui, trois grands métiers, le primaire, le secondaire et le co-investissement. On va y revenir, rassurez-vous. Nous avons réalisé aujourd'hui plus de 400 investissements répartis sur 26 fonds. Et on a une spécificité, c'est qu'on est un acteur global. Là où effectivement un 2-3ème d'ailleurs en fait partie, est un acteur qui revendique des valeurs d'investissement essentiellement françaises, voire européennes. Nous, on a pris le postulat, alors c'est bien, c'est pas bien, c'est à vous de juger, c'est en tout cas différenciant d'avoir une approche globale, donc investi historiquement à peu près un tiers aux États-Unis et deux tiers en Europe. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là il y a 20 ans ? Parce qu'il y a 20 ans, le private equity est une classe d'actifs émergente en France, encore toute petite, alors qu'aux États-Unis, ça fait plus de 50 ans que le private equity est en place. Hein. Vous savez, les États-Unis, c'est la patrie de l'investissement dans les entreprises. Hein. On va aider son cousin, on va trouver des investisseurs. On n'aime pas forcément toujours faire appel au marché public. On aime bien garder le capital privé pour des raisons de bonne gouvernance, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se faire éjecter quand on est nous-mêmes actionnaires de notre structure. Et c'est des valeurs qui nous correspondent bien. C'est pourquoi on a toujours cherché à investir au travers de ces 26 fonds à la fois aux US et en Europe.
Ici, vous voyez sur cette page comment est-ce qu'on répartit nos activités. En fait, on fait trois métiers dans le private equity. Je vous disais 2,5 milliards, à peu près 1,6 milliard en primaire, 0,7 milliard en secondaire, à peu près, et une petite brique résiduelle en co-investissement. Alors, on ne va pas revenir sur la première ni la dernière, on va parler du marché du milieu, le secondaire. Sur secondaire, c'est une activité qu'on a lancée en 2010. On faisait partie des pionniers en Europe sur le secondaire. Qu'est-ce que c'est le secondaire? C'est le marché de l'occasion du private equity. Le private equity, vous l'avez vu ce matin, si vous avez lu les échos, on parle de niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés. On parle d'une moyenne qui a été publiée ce matin, on paye 11 fois le résultat d'exploitation, c'est-à-dire que pour être remboursé de son investissement, il faut que la société génère 11 années de résultats d'exploitation. Dans l'histoire, ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, je suis désolé en cette introduction. Le private equity, c'est bien, on est tous d'accord pour le dire, parce que ça paye mieux que les marchés cotés, c'est normal, on a une prime d'illiquidité, comme c'est pas liquide, c'est normal qu'on attende un rendement qui soit meilleur. Donc, c'est historiquement, ça surperforme tous les indices cotés à peu de choses près sur le long terme. En revanche, le private equity n'a jamais été aussi cher dans l'histoire. Et donc, je vois que vous êtes plusieurs à réagir dans les questions, à nous demander s'il n'y a pas une bulle. Est-ce qu'on n'achète pas en fin de cycle? Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué? Alors, j'ai malheureusement pas les réponses, hein, je n'ai pas encore de boule de cristal, j'espère en avoir une prochainement, mais là c'est encore un petit peu tôt. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on pense que le private equity est un petit peu compliqué en termes de niveau de valorisation, en termes de cycle? C'est peut-être d'aller chercher des typologies de private equity un peu différentes. C'est ce que fait le secondaire. Le secondaire, c'est le marché de l'occasion du private equity. Donc, c'est un marché dans lequel on rachète des actifs, des sociétés qui sont déjà matures, qui ont déjà une expertise, une expérience, donc qui existent déjà depuis 20, 30, 40 ans, qui ont déjà fait leurs preuves, qui génèrent déjà des flux de trésorerie qui sont très rentables, qui gagnent des parts de marché, qui sont souvent leaders sur leur marché. C'est l'un des avantages du secondaire. Pour vous donner quelques exemples, que ce soit en secondaire, en primaire ou en co-investissement, donc 20 ans qu'on fait des private equity, la moyenne de performance qu'on fait sur nos fonds historiquement chez Odo BHF, c'est à peu près 10% net investisseur. C'est une moyenne. Le bon point à savoir, c'est qu'on n'a jamais un seul fonds qui a perdu de l'argent. Aucun investisseur n'a perdu un centime en 20 ans chez nous, et pourtant, vous le savez, en 20 ans, il s'est passé quelques cycles avec quelques vents contraires. Je pense que c'est un point qui est important. Pourquoi est-ce que finalement on arrive à générer des performances très honorables dans des marchés, des situations de marché qui sont compliquées? Mais en fait, Hervé a déjà donné une bonne partie de la réponse, c'est la diversification. Il n'y a pas de secret, vous le savez aussi bien que moi, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et c'est comme ça qu'on construit tous nos portefeuilles. Nous, on a toujours fait le choix de construire des portefeuilles extrêmement diversifiés. En moyenne, on retrouve chez nous entre 200 et 300 sociétés par portefeuille. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup plus que la moyenne des acteurs dans le private equity. Et pour nous, c'est important. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le secondaire, on pense que c'est une classe d'actifs d'avenir dans le private equity, notamment dans le contexte actuel, crise sanitaire ou pas. Hein, c'était vrai aussi il y a un an et demi avant qu'on rentre dans cette pandémie. Le private equity, en fait, c'est une très belle classe d'actifs parce que c'est non coté. Donc, par définition, vous ne subissez pas les aléas d'un marché financier. Donc, quand le marché fait moins 20, si votre boîte elle se porte bien, il n'y a pas de raison qu'elle fasse moins 20. Ce n'est pas emporté par une vague, puisque par définition, ce n'est pas coté. En revanche, il y a trois grands problèmes au private equity. Et moi, en tant qu'investisseur personnel en private equity depuis plus de 10 ans, c'est un problème que j'ai vu grandir au fur et à mesure. Le premier problème qu'on a en private equity, c'est le prix. On paye très cher des actifs et on les a jamais payés aussi cher dans l'histoire. Je vous disais, on paye en moyenne 11 fois. Quand j'ai commencé, moi, il y a un peu plus de 10 ans en private equity, les actifs, on les payait entre 6 et 7 fois. Donc, on paye entre 30 et 40% plus cher des actifs à l'entrée. Donc, le private equity, c'est bien, mais c'est cher. Le deuxième point, le private equity, c'est très compliqué de se diversifier. C'est très compliqué de se diversifier puisque c'est une classe d'actifs, comme ce qui a été présenté par Lisa et abondé par Hervé, c'est une classe d'actifs qui est historiquement institutionnelle, sur laquelle les tickets d'entrée étaient très élevés. Et donc, bien se diversifier, ça veut dire investir chez plusieurs gérants pour avoir un portefeuille très diversifié. Et ça coûte historiquement, hein, pour rentrer en private equity, c'était entre 1 et 10 millions par gérant. Donc, ça reste toujours très compliqué de se diversifier au sein de la classe d'actifs. Ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème,
Et bien en fait, c'est une diversification qu'on ne voit pas, c'est la diversification par millésime. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet auquel les assureurs sont extrêmement attentifs. Nous, ça, je vous l'ai dit, il y a 20 ans, on a commencé à investir pour le compte d'assureurs parce qu'on est nous-mêmes des anciens assureurs. On est les anciens Groupama Private Equity. Donc notre métier, c'était de gérer l'argent de Groupama pour leurs investissements en private equity. Et donc, c'est une thématique qui, je pense, aujourd'hui est très importante, la diversification par millésime. Qu'est-ce que c'est un millésime? Ben, c'est très simple, c'est comme dans le vin. On va faire un parallèle qui est très naturel. C'est que dans le vin, vous avez des bons châteaux, hein, des bons domaines. C'est pareil dans le private equity, vous avez des bons et des mauvais gérants, hein, comme partout. Et puis, vous avez aussi des bonnes et des mauvaises années, les bons et les mauvais millésimes. Comme dans le vin. Donc, alors évidemment, vous allez me dire, un mauvais millésime d'un bon château, ça reste toujours un bon vin. Oui, c'est vrai, mais ça reste quand même un mauvais millésime en relatif par rapport à ce que vous sert ce château sur d'autres millésimes. C'est le même principe en private equity. Vous avez des bons et des mauvais gérants et vous avez surtout des bonnes et des mauvaises années. Et comme, un peu comme dans le vin, le problème du millésime, c'est qu'on ne le sait que plus tard. Vous savez, c'est cette fameuse caisse qu'on a au fond de la cave. On a acheté trois caisses de pinard et on ne saura que 3 ou 4 ans après que le millésime sera mauvais au moment où on les débouchera. C'est pareil dans le private equity, on ne sait si on a investi dans un bon véhicule, une bonne année, que 3 ou 4 ans après. Et donc, bah, la meilleure façon de ne pas se tromper, bah, c'est finalement un peu comme dans le vin, d'en acheter un petit peu tous les ans. Et donc, ça demande une certaine rigueur parce qu'on estime que pour être bien diversifié par millésime dans le private equity, il faut investir à peu près sur 7-8 ans successifs. Alors, c'est super si ça fait 7-8 ans que vous faites du private equity. Mais si c'est la première fois que vous faites du private equity, ça va être compliqué de rattraper le temps perdu. Et donc, je commence effectivement un peu mal avec la classe d'actifs. C'est cher, c'est dur de se diversifier et on a ce problème de millésime. En fait, le secondaire, c'est une solution pour répondre à ces trois problèmes qui, d'après nous, sont les trois principaux problèmes. Pourquoi? Parce que le secondaire, je vous disais, c'est le marché de l'occasion du private equity. Dans lequel, moi, mon métier, c'est un métier de grossiste, donc je rachète des positions sur le marché en private equity, des positions de sociétés très connues. Nous, notre segment, c'est plutôt des mid to large cap, donc plutôt des sociétés d'une certaine taille. Pour vous donner quelques exemples, on a racheté très récemment, on a mis un ticket dans Froneri. Froneri, c'est le premier vendeur de crème glacée au monde. Hein. Froneri, ça détient Häagen-Dazs. C'est 40% du marché de la crème glacée dans le monde, donc c'est énorme. Hein. C'est une société qui pèse quasiment 10 milliards. On a mis un ticket assez substantiel dans le capital de cette boîte. On a mis un ticket dans Canada Goose, les parkas que vous connaissez bien, à l'époque où c'était encore Co-Canada et encore des textiles techniques pour les plateformes pétrolières, bien avant qu'on le retrouve dans la plupart des boutiques. On a mis des tickets aussi dans des belles histoires françaises. Hein. On a mis de l'argent dans Criteo. Vous connaissez cette histoire, bien sûr, qui a fait la une de la presse, hein, puisque c'était la première introduction d'une société française au Nasdaq. C'est une boîte qui fait du ciblage publicitaire, hein, une technologie française qu'on aime beaucoup. On a, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais on a fait un certain nombre de belles histoires. Et en fait, c'est systématiquement des histoires qu'on a financées en secondaire en les payant moins cher que le marché. Comment est-ce qu'on fait? En tant que grossiste, quand on rachète plusieurs histoires en même temps qui ont déjà un historique sur le passé, on peut négocier une décote. En moyenne, chez Odo BHF, la décote qu'on négocie, c'est à peu près 20%. Ça veut dire qu'on achète 80 des actifs qui valent 100. Donc, une fois que je vous ai dit ça, j'ai pas la prétention de racheter du private equity sur des niveaux d'il y a 10 ans. Malheureusement, c'est impossible. Mais j'arrive déjà à les acheter en moyenne 20% moins cher que ce qu'ils cotent aujourd'hui. Et donc ça permet, je pense, de répondre au premier point qui est de dire oui, c'est cher, mais il y a des solutions, le secondaire en fait partie. L'autre avantage du secondaire, c'est sur le deuxième point, je vous rappelle la difficulté à se diversifier dans le private equity. Le secondaire a une vertu, comme tous les grossistes, mon métier c'est de racheter plein d'actifs par paquet, d'aller trouver de la valeur sur ces actifs. Et donc ça, je peux le faire, hein, puisque là où un fonds de private equity va avoir 10, 15, 20 lignes, chez nous, je vous le disais, il y a plutôt 200, 300, 400 sociétés, parce qu'on rachète des petits morceaux de capital d'un certain nombre de sociétés. Et donc, ça permet évidemment d'avoir des portefeuilles très diversifiés, que ce soit d'un point de vue industriel, d'un point de vue géographique, mais aussi en termes de nombre de sociétés. Et en fait, c'est ça la garantie qu'on a, même si c'est évidemment pas une garantie écrite, c'est du moins ce qui nous a permis de ne jamais perdre d'argent sur nos fonds, sur les 26 fonds qu'on a lancés en 20 ans. Et comme je vous le disais, jamais, alors je dirais même aucun deal, au-delà des fonds, il n'y a aucune société, aucun deal sur lequel on n'a pas récupéré au moins notre mise. Donc, c'est, je pense, un point qui est très important. Et le troisième point, la diversification en millésime,
Mais là, il n'y a pas 150 façons de le faire. Je vous le disais, normalement, du private equity, il faut en faire un peu tous les ans. Sauf que nous, en secondaire, comme on rachète sur le marché de l'occasion, ben, on peut rattraper le temps. Je ne suis pas obligé de racheter que des vins qui ont été, qui sont sortis du vignoble en 2017. Je peux m'amuser à aller racheter des vignobles qui sont beaucoup plus anciens pour aller me faire une belle composition de portefeuille. Et c'est comme ça qu'en fait, on a construit notre offre en private equity secondaire dans un format FCPR. Le premier qu'on a lancé, puisque je vous le disais, hein, c'est notre premier fonds qu'on fait pour les investisseurs particuliers. Hein. Les 25 autres fonds qu'on avait fait, c'était des fonds pour les institutionnels. On a répliqué la même stratégie pour les particuliers avec un ticket d'entrée à 10 000 euros. On veut que la classe d'actifs reste accessible, mais sur qui est systématiquement co-investi avec nos fonds institutionnels. Ça, c'est la garantie, entre guillemets, qu'on serve la même qualité de transaction à nos clients privés qu'à nos clients institutionnels. C'est qu'en fait, tous les fonds sont co-investis. Donc, il y a les mêmes portefeuilles. On va retrouver une structure un petit peu différente, hein, puisqu'évidemment, pour les besoins d'une clientèle privée, on a des formats fiscalement avantageux. Lisa en a parlé en introduction, on sera 17,2 de plus-value au lieu de 30% de flat tax. Donc, c'est assez attractif. Mais hormis cela, le portefeuille est à peu ou prou. Alors, les pondérations peuvent être un peu différentes, mais les véhicules institutionnels et particuliers sont en co-investissement. Ce premier véhicule, le FCPR, c'est intéressant parce qu'on l'a lancé, on a terminé la levée il y a un an. Donc, nos derniers investisseurs, ils sont rentrés il y a un an. On a levé 60 millions d'euros sur ce véhicule. On est très contents puisque, comme je vous le disais, c'est la première fois qu'on s'adressait à des particuliers. Et alors, on a eu de très bonnes surprises. Hein. Des particuliers qui avaient mis 10 000, des particuliers qui ont plus d'un million. On a même eu un ticket de 3 millions, il me semble, au travers d'une holding patrimoniale. Et alors, un an plus tard, c'est le moment de voir si la promesse elle est tenue, est-ce qu'on a pu générer de la performance, est-ce qu'on a été bien diversifié, est-ce qu'on a pu déployer le portefeuille rapidement. Ça, c'est, on va dire, les trois promesses qu'on avait données. Alors, je pense que la promesse, elle est tenue, puisqu'on estimait avoir entre 200 et 300 boîtes en portefeuille. Finalement, il y a 1600 sociétés en portefeuille à la fin du compte. Donc, encore une fois, sur les 1600, on a fait un test d'impact Covid pour savoir combien sur ces 1600 sont concernés. On en a moins de 10, donc autant vous dire que c'est epsilon. On a déployé 81% de l'argent qu'on nous a confié. On a généré une performance sur un an de plus 5%. Et ça, je pense que c'est assez notable. Hein, là où il y a beaucoup d'acteurs en private equity qui étaient assez inquiets par le Covid et sur les niveaux de valorisation, eh bien nous, il s'avère qu'on sort une performance qui est parfaitement en ligne avec ce qu'on avait anticipé. Plus 5, alors qu'on n'avait même pas investi 30% en début d'année, on pense que c'est un bon chiffre. Et surtout, on a une belle diversification sur de belles sociétés, une belle diversification géographique. La promesse est plus ou moins tenue, à peu près 30% aux US, 70% en Europe, sur un portefeuille bien diversifié. Quelques très belles histoires que vous connaissez peut-être. On a financé dans ce fonds-là LeasePlan. LeasePlan, c'est les anciens Volkswagen Leasing, hein, donc c'est le plus gros leaseur de voitures au monde. C'est 60% du marché, hein, du leasing de véhicules. On a financé une société qui s'appelle Buffet Crampon. Pour les mélomanes d'entre vous, Buffet Crampon, c'est le leader mondial des instruments de musique à vent. Donc, c'est le leader mondial de la clarinette. Une clarinette chez Buffet Crampon, pour ceux qui habitent à Paris ou passez boulevard Saint-Germain, c'est une boutique, c'est une perle, cette boutique. Des clarinettes qui valent en moyenne 20, 25 000 euros à peu près. On a financé IG Group. Hein, IG Group, beaucoup de personnes en Europe ont contribué à faire une très belle année à IG Group. IG Group, c'est l'exploitant leader en Europe des stations-service, puisqu'ils ont 90% des stations Esso, Shell et BP dans toute l'Europe. C'est le plus gros propriétaire foncier d'Europe, hein, sur les infrastructures, devant Vinci. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est. Pourtant, c'est un groupe, une holding qui est très peu connue. C'est une boîte qui a une croissance à deux chiffres, hein, depuis plus de 20 ans, qui absorbe tout, qui rachète absolument toutes les stations de service en Europe. C'est fabuleux. On a mis ce ticket dans Froneri, hein, Nestlé Glass. De la même façon, je ne sais pas si c'est le contexte sanitaire et la morosité qui fait qu'on n'a jamais autant consommé de crème glacée qu'en 2020. Et 2020 est très bien amorcé. Quelques très belles histoires dans ce premier fonds. Et vous l'avez compris, l'heure est aujourd'hui à vous parler du petit frère, hein, donc du nouveau FCPR qu'on lance, qui réplique exactement la même stratégie, cette même approche secondaire, donc qui permet de construire un portefeuille assez rapidement, très diversifié, avec une décote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un premier deal dans le portefeuille. Donc, on a lancé ce fonds il y a 3 mois. On a déjà collecté 11 millions d'euros en 3 mois, donc on est très content. Il y a un point qui est important
qui, je pense, fait partie pleinement de notre approche. Je vous dis qu'on aime bien être aligné. Moi, je suis investi à titre personnel dans le fonds, comme tous les membres de l'équipe. C'est une obligation qu'on s'impose. Mais au-delà de ça, notre maison Odo-BHF investit aussi dans tous les véhicules qu'on lance. Là, la maison Odo-BHF a mis 5 millions d'euros et la maison Odo-BHF rentre sur les mêmes conditions financières que les clients. Autant vous dire qu'aujourd'hui, mon premier investisseur, c'est mon employeur. On va éviter d'essayer de faire des bêtises avec son argent. Ce fonds-là, qu'est-ce qu'il vise? Finalement, il vise à construire un portefeuille à peu près de 65% en secondaire dette privée, donc la classe active que vous avez présentée, Hervé. On pense que c'est une classe active qui est très porteuse. 1-2-3 a une belle expertise d'ailleurs dessus en direct. Hein, Hervé vient de vous la présenter. Il y a d'autres acteurs qui ont une très belle expertise en dette privée. Nous, en secondaire, on rachète ces actifs sur le marché de l'occasion. Donc on arrive à les négocier avec une belle décote. Donc, à peu près 65% du portefeuille sur la dette privée et 35% sur du private equity classique traditionnel, comme ce que vous connaissez. Essentiellement, nous, on intervient sur du capital transmission, donc sur des boîtes matures. J'ai vu dans les commentaires, est-ce qu'on peut investir dans les sociétés jeunes? Nous, ce n'est pas notre métier, on ne le fait pas. Je vous le disais, en moyenne, c'est des boîtes qui pèsent à peu près 500 millions, hein, c'est ce qu'on retrouve, et on a des boîtes qui chiffrent à plusieurs dizaines de milliards qui pourraient être cotées sur l'Eurostock sans problème, qui font le choix de rester à capital privé. Pour nous, c'est extrêmement, extrêmement important de conserver ce positionnement. Finalement, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Un premier deal. Donc ça, c'est déjà dans le portefeuille. Hein, ça représente déjà la moitié du portefeuille. Donc ceux qui vont investir dans ce fonds-là bénéficieront à plein de ce portefeuille. Un portefeuille, on a racheté 4 actifs, 4 sociétés, Micros, Casaria, MS et Waterline. 4 sociétés qui sont assez grosses. L'essentiel de ces sociétés sont aux US, vous allez le voir, et c'est un portefeuille qu'on rachète avec 20% de décote. Donc on a racheté ses actifs 80 à un vendeur qui est contraint de liquider ses actifs parce qu'il a besoin d'honorer une partie de ses pertes sur les marchés cotés. C'est un acteur extrêmement exposé sur les matières premières qui a dû liquider une bonne partie de ses positions pour subir, c'est aussi l'un des avantages du marché secondaire. Là où il y a beaucoup d'acteurs qui trouvent que le marché aujourd'hui est compliqué, nous en secondaire on se frotte un peu les mains parce qu'on n'a jamais eu d'aussi belles décotes et d'aussi belles qualités d'actifs. Ça, c'est un actif, il y a 2 ans, si on l'achetait, je pense qu'on le payait à de cost, qu'on le payait sans aucune décote. On aurait acheté 100 des actifs qui valent 100. Là, pour cette même qualité, un an plus tard, on paye à peu près 80 ces actifs. Les 4 boîtes, c'est 4 grosses boîtes qu'on aime bien. La première, c'est Micros. Micros, ils fabriquent les petites puces que vous voyez sur le pictogramme. Ces puces-là, elles permettent quoi? Elles permettent d'avoir une stabilité du signal. À quoi ça sert d'avoir une stabilité du signal? Quand on adresse un marché comme l'aérospatial, l'espace ou la défense, ou même le médical, comme c'est le cas pour Micros, on a besoin d'avoir une stabilité de signal pour avoir notamment typiquement un radar quand on fait de la marine ou quand on communique avec des vaisseaux spatiaux. On a besoin d'avoir une stabilité du signal pour éviter d'avoir de la friture, et donc ça garantit d'avoir une qualité optimale. Micros, c'est le leader mondial, c'est une boîte qui est basée à Manchester, ça fait 40 ans qu'ils existent, c'est une boîte encore familiale aujourd'hui, on a donc mis un ticket dedans, on a récupéré une partie du capital de cette société-là, donc c'est le premier fournisseur mondial de composants microélectroniques, et donc autant vous dire que leur marché essentiel, c'est l'armée américaine et l'armée israélienne, et donc c'est des budgets sur lesquels, on a quasiment des budgets limités, et sur lesquels on a 10 ans de perspective de chiffre d'affaires, donc ils ont des contrats dans lesquels on leur garantit un chiffre d'affaires pendant 10 ans, donc c'est extrêmement confortable, comme nous quand on investit sur un horizon de 3 à 4 ans en moyenne. Donc pour nous, c'est extrêmement confortable d'avoir ce type de profil. La deuxième boîte, c'est une boîte qui s'appelle Casaria. Casaria, c'est des usages assez similaires, d'ailleurs ils ont quelques clients en commun. Vous avez probablement la fibre optique chez vous depuis maintenant peut-être 10 ans pour les plus anciens d'entre vous. Dites-vous bien qu'il y a plus de 20 ans, en fait, Casaria a développé la fibre optique pour des usages militaires. C'est le plus gros usager de fibre optique au monde encore aujourd'hui, bien devant tous les usages qu'on peut avoir dans la fibre optique. Et concrètement, ils équipent une bonne partie de l'aviation et de la marine militaire sur ces technologies-là. C'est une boîte qui pèse 500 millions, qui est basée aux US, sur laquelle on est très content de pouvoir mettre un ticket. Alors, vous l'avez vu, ces deux premières boîtes sont plutôt complètement désensibilisées du Covid, hein, puisque concrètement, les budgets
sont pas forcément revus à la baisse dans ce contexte actuel, et ben là, on a une boîte qui c'est encore mieux et positivement corrélée au Covid. Donc, c'est assez rare pour être souligné. Cette boîte, vous en avez peut-être entendu parler, elle a fait la une de la presse depuis maintenant près de 3 mois, c'est Emnes. Emnes, c'est le leader anglo-saxon historique du testing de vaccins. Donc, ils font les essais cliniques sur les phases 1 à 4, et je vous donne en mille leur partenaire de choix pour 2020, c'est une société qui s'appelle Moderna, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, ils font le test vaccin COVID-19 sur donc, les phases d'essais cliniques 1 à 4. Donc, leur chiffre d'affaires a été multiplié par 3 en l'espace de moins de 6 mois. Encore une fois, c'est une société qu'on achète aussi avec 20% de décote. Et donc, on est plutôt très content de pouvoir acquérir cette société à ce prix-là. Juste, Raphaël, on a eu une question là. Après, il nous restera vraiment quelques instants. Parce que tu parlais de 20% de décote, tu l'as déjà dit tout à l'heure, et quelqu'un nous a demandé, mais comment peut-on affirmer qu'on achète avec une décote de 20% sur du non-coté? Est-ce que tu peux nous répondre de manière très brève à cette question? C'est une très bonne question. Le non-coté a des modèles de valorisation et des approches exactement comme dans le coté. On n'achète pas, les prix ne sont pas forcément fixés au hasard. Même s'il n'y a pas de marché qui donne le prix, on a des comparables transactionnels. On a aussi des approches multicritères dans lesquelles on voit la séquence de flux d'une société et on essaie de déterminer sa valeur d'entreprise. Et concrètement, la valorisation est donnée ensuite par les transactions de cette société. Et donc, quand on achète à 20% de décote, c'est quand on achète 20% en dessous de ces chiffres-là. Donc, concrètement, c'est une approche, vous avez raison, hein, c'est pas un chiffre qui est donné par le marché, donc c'est pas immuable. C'est 20% selon nos analyses. Ce qui est certain, c'est une décote sur base de modèles qui sont validés par les auditeurs et par des valorisateurs externes. Donc, ça a quand même une certaine structure, si je puis dire. Ça fait, je vous le disais, près de 20 ans qu'on fait ça. Donc, on a plutôt du confort sur le niveau de décote qu'on annonce, et on est même plutôt prudent en général. C'est-à-dire quand on annonçait 15% de décote sur le rachat du deal de Froneri, hein, sur Nestlé Glass, la première valorisation de sortie qu'on a fait, en fait, c'est un équivalent de 40% de décote. Parce qu'en fait, la ligne a déjà été partiellement sortie sur un équivalent de décote qu'on aurait eu à 40%. Donc, on a fait 2,5 fois la mise en 3 mois sur une partie de la ligne de Froneri. Donc, ce qui a permis de revaluer une bonne partie du précédent FCPR. Voilà pour cette question. Et derrière, merci Raphaël. Je vois le temps qui passe, c'est totalement passionnant. Est-ce que on peut conclure sur ta partie et puis après passer très rapidement sur la phase de questions-réponses? Bien sûr. Très concrètement, en fait, la nouveauté, on en parlait en amont, on disait que le private equity a plein de vertus et d'autres problèmes, c'est la liquidité. Comment est-ce qu'on fait pour sortir en private equity? Alors, vous avez deux solutions pour investir dans ce fonds-là. Ce FCPR, soit vous souscrivez en compte titre, tout ce qui est plus naturel. Là, c'est un fonds qui va durer 7 ans. Donc, vous sortez à la fin de la 7e année. C'est ce qui est le plus classique. On a créé quelque chose d'un peu plus intéressant, je pense, encore. C'est qu'on a rendu ce fonds éligible en assurance vie française avec une liquidité garantie par l'assureur, sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient souscrire en assurance vie française au sein des contrats Génération Vie qui sont proposés par Grisby. Donc Génération Vie, je vous rappelle, hein, l'assureur c'est Allianz. Et bien, au sein de ces contrats, vous pouvez sortir tous les 15 jours sans décote et sans pénalité. Donc ça, c'est assez nouveau. Ce produit-là, c'est le premier à notre connaissance qu'il propose sur le marché. Il n'y en a pas d'autres. Pour nous, il y en a avec des fenêtres de liquidité dans lesquelles vous pouvez sortir jusqu'à 5%. Chez nous, c'est une vraie liquidité totale. Il n'y a pas plus simple, c'est l'assureur qui rachète votre position. Donc, vous sortez sur la prochaine valorisation et donc vous pouvez sortir sous les 15 jours et ce jusqu'à la fin de vie du fonds. Soit vous pouvez le porter sur les 7 ans, soit vous pouvez sortir tous les 15 jours. Ça, c'est un point qui est très important et on garde un ticket d'entrée à 10 000 euros, que ce soit si on souscrit en assurance vie ou en compte titre. C'est le même ticket d'entrée. On veut que la classe d'actifs reste accessible au plus grand nombre. Évidemment, si l'expertise vous plaît, on ne vous empêche pas de mettre plus. Voilà, je vois que le temps court effectivement un petit peu et qu'il y a eu pas mal de questions entre-temps. Ouais. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu veux qu'on procède, Maxime. Écoute, en tout cas, c'était passionnant ton intervention ainsi que celle d'Hervé. On voit qu'on a eu beaucoup de participants, on a toujours beaucoup de participants, donc effectivement, les gens sont
Reste présent, donc ça démontre l'intérêt suscité par vos interventions. Un grand merci à tous les deux. Sur la partie questions, il y a eu effectivement, au-delà du volume de participation, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions et je remercie tous les participants de nous les poser. Certaines des questions étaient, on a répondu à certaines de ces questions au cours de vos interventions. Néanmoins, j'en ai sélectionné quelques-unes. On a eu plusieurs questions sur des délais et conditions de sortie. Ça, c'est un premier point. Et sur une éventuelle surchauffe. Selon moi, Raphaël, tu as toi déjà répondu sur ces deux points. Est-ce que Hervé, toi, tu pourrais nous apporter ton éclairage sur ces deux points qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui ont été posés à plusieurs reprises par des participants. Donc voilà, le premier, c'est délai et conditions de sortie. Odo, c'était Raphaël, tu nous as dit notamment qu'on pouvait profiter de la liquidité de l'assurance vie, ce qui est assez extraordinaire. Et sur la surchauffe, effectivement, tu nous en as parlé également. Est-ce que Hervé, toi, tu peux nous apporter quelques réponses là-dessus? Alors, nous, sur la liquidité, effectivement, il n'y a pas de liquidité, puisque nous, les fonds sont 100% investis. Donc, on n'offre pas de liquidité hors cas dérogatoire, et je crois qu'il y en a eu un tout à l'heure qui posait la question, donc invalidité, décès, licenciement. Nous, notre objectif, c'est vraiment que le fonds soit 100% investi pour générer un maximum de performance. Si vous laissez une poche liquide trop importante, vous dégradez mécaniquement la performance du fonds. Ça, c'est pas notre objectif. On assure notre liquidité à échéance dans la mesure où on finance en obligataire. L'avantage de l'obligataire, c'est comme un prêt avec votre banque. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a une échéance ici, donc par exemple à 4-5 ans, on lui a prêté 2 millions d'euros. 4-5 ans, il va nous rembourser 2 millions d'euros plus les intérêts qui seront capitalisés. Et sauf si, bien évidemment, la PME fait défaut, on est sûr d'être remboursé en temps et en heure. Dans le cadre d'un financement obligataire. C'est tout l'intérêt de cet outil par rapport à un investissement action. Il faut trouver quelqu'un pour vous racheter et les process de vente peut-être un petit peu long. Dans le financement obligataire, l'entrepreneur retourne voir sa banque, relève une dette traditionnelle bancaire et nous refinance et nous ressort. C'est comme ça qu'on arrive. D'ailleurs, historiquement, on a toujours respecté nos timings d'investissement grâce à cette petite dette. Sur la surchauffe, oui, toujours, c'est l'éternelle question et encore une fois, je pense qu'elle est tout à fait légitime. Néanmoins, ce que je répondais à des participants, je pense que sur le créneau qu'on a, nous, à savoir les valeurs d'entreprise entre 3 et 50, 60 millions d'euros, on a de la chance d'avoir un énorme vivier et finalement assez peu de fonds d'investissement, entre guillemets, qui s'y intéressent, comparativement, bien évidemment, au capital risque, au financement de start-up, dont on entend beaucoup parler. Et là, effectivement, il y a un afflux de liquidité et il y a énormément de valorisations qui peuvent paraître aberrantes sur les sociétés qui, on rappelle, la plupart ne génèrent pas de résultats. Et sur les large cas, pareil, il y a encore une fois pas mal de monde, on pense, et là, il peut y avoir sur certains investissements des surchauffes sur les valorisations. Après, c'est toujours pareil, chaque équipe, je pense, fait très bien son travail. Je pense que Raphaël l'a évoqué, voilà, ils sont aussi très vigilants comme nous sur les niveaux de valorisation. Donc, c'est, je pense, ce qui fait la force et notre historique de résultats tous les deux. Mais voilà, nous, on pense que sur notre secteur, on est relativement protégé parce qu'encore une fois, il y a moins d'acteurs et mécaniquement, il y a plus de souplesse. Ok, merci pour cette réponse. On l'a vu à travers vos deux interventions, ce qui est intéressant, vous avez tous les deux parlé de diversification et on voit que vos deux propositions sont différentes, je dirais même complémentaires, hein, que ce soit quand on parle de zone géographique, de taille d'entreprise dans lesquelles vous investissez, le marché secondaire, primaire, etc. Donc il y a une vraie différence, une vraie complémentarité. C'était vraiment vraiment intéressant. On a eu des questions autour des frais. Effectivement, plusieurs questions autour des frais. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus, l'un et l'autre? Je t'en prie, Hervé. J'ai envie de dire, ils sont les frais. Vous les aurez dans les. Ce qu'on appelle les DC, donc les documents d'information clés investisseurs donc qui seront remis par vos conseillers chez Grisby. Mais grosso modo, nous, on a des frais de gestion qui sont à 2,95 de mémoire sur la part A1 qui est accessible à partir de 5 000 euros et sur la part A2 qui est accessible à partir de 250 000 euros, les frais de gestion sont à 1,95. D'accord, très bien. Alors, sur le FCPA ou d'OBHF, c'est un petit peu différent, avec qu'une seule part. C'est la part à 10 000, hein, que vous mettiez 10 millions ou 10 000, ce sera le même tarif. On a fait le choix de la simplicité, peut-être à tort, hein, je ne sais pas. Chez nous, les frais de gestion sont de 2%.
Et c'est donc 2% annuel. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et les droits d'entrée dépendent en fait de la structure avec laquelle vous allez, si vous allez le faire en assurance vie ou en compte titre, vous n'aurez pas les mêmes droits d'entrée. Ça dépendra de votre contrat, ça dépendra de pas mal de choses. Donc ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre conseiller Grisby sur les aspects des droits d'entrée. Je vois qu'il y a une question très intéressante de savoir si c'est éligible en contrat d'assurance vie luxembourgeois. Ça, c'est extrêmement important, puisqu'on sait que nombre d'entre vous ont cédé au chant des sirènes du contrat d'assurance vie luxembourgeois qui a beaucoup de vertus, alors qui n'a pas la vertu de l'avantage fiscal, mais qui garde une chance fabuleuse, c'est de pouvoir faire du private equity encore plus librement qu'en France. C'est l'une des chances de ce contrat. Nous, notre FCPR, il est éligible dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois qui sont proposés par Grisby. Hervé, je te laisse la parole sur les vôtres. Pareil pour les FCPR. Oui, très bien. Très bien, très bien. Et puis là, on va terminer pour les questions. Je suis désolé, on n'aura pas pu répondre à l'intégralité de vos questions, en tout cas de manière collégiale. On a essayé d'y répondre de manière interactive au fil de discussion. Et de toute façon, vous aurez la possibilité de discuter avec votre conseiller Grisby le moment venu. Moi, la dernière question que je retiens, qui a été posée à plusieurs reprises, c'est notamment par rapport à vos track record l'un et l'autre. Il y a eu vraiment de nombreuses questions sur voilà, quelles ont été les performances générées dans le cadre des précédentes enveloppes qui ont été ouvertes. Est-ce que, sans rentrer dans tous les détails, vous pouvez nous apporter déjà un premier éclairage sur ces points-là, s'il vous plaît? J'y vais, Raphaël. Merci. Je l'évoquais, donc c'est notre 11e FCPR sur notre droit corporel 2020. Donc on en a 10 dans le rétroviseur. Et sur les 10 dans le rétroviseur, il y en a 7 qui sont arrivés à échéance, donc les clients ont été entièrement remboursés au bout de 6 ans comme on s'y était engagé. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment grâce à un investissement obligataire qui permet de respecter les dates, et un TRI, donc c'est-à-dire une performance du produit qui est entre 8 et 9% net investisseur. Donc c'est ce qui a été constaté sur ces 7 premiers FCPR qui ont déjà été remboursés chez un employé depuis une dizaine d'années. Alors, chez nous, historiquement, les perfs sont de à peu près 10% net investisseurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux que Hervé. J'aurais pu prêcher pour mon paroisse, mais non. Puisqu'en fait, on a historiquement aussi des véhicules institutionnels qui ont moins de frais. Donc, je pense qu'il faut mettre en perspective ces choses-là aussi. Je préfère être entièrement transparent avec vous sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on va chercher en fait comme performance sur le fonds dont je vous ai parlé? Donc, très, très modestement, on va chercher entre 6 et 8% de performance nette annualisée par an sur les 7 ans. Nous, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on fait sur le premier FCPR. Hein. On est parfaitement en ligne, vous voyez, un an après. L'idée, c'est de faire la même chose. Donc, j'ai bon espoir qu'on devrait y arriver puisqu'on se débrouille plutôt bien sur le premier FCPR pour l'instant. Sur ce deuxième, j'ai pas de sujet. Puisque le premier deal, vous le voyez, avec cette décote, ça nous permet déjà d'avoir une performance positive dans le fond au premier jour. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, c'est très clair. Et puis, on voit effectivement une homogénéité. Tu voulais rajouter, Il y a une bonne question. Est-ce que c'est net de tous les frais d'entrée, des frais de gestion? Oui. Enfin, quand on annonce des... Alors ça, c'est malheureusement ou heureusement pour les investisseurs surtout, l'AMF qui nous l'impose, on n'a pas le droit de vous communiquer des performances brutes. C'est forcément des performances nettes qu'on vous communique. On n'a pas le droit de vous parler d'autre chose. Voilà. Donc ça vous montre le sérieux de nos deux maisons. C'est qu'on vous parle, Hervé et moi, tous les deux, de TRI net investisseur. Parce que c'est vraiment ce qui revient dans la poche de l'investisseur une fois qu'il a payé l'intégralité des frais du fonds. C'est avant sa fiscalité personnelle. Bien sûr, avant sa fiscalité. Ça, il ne faut pas trop pousser non plus. Bon, merci, merci, un immense merci à tous les trois, Lisa, Hervé, Raphaël. Franchement, c'était passionnant. On le voit à travers effectivement le niveau de participation qui est resté constant et très important tout au long de cette conférence web, cette nouvelle conférence web. Et on voit que le format plaît au regard de ce niveau de participation et du niveau d'interactivité. Donc, merci à tous les trois. Merci à tous les participants. On voit vraiment beaucoup de questions. Ce que je peux vous dire, donc, Lisa ainsi que nos autres conseillers, Étienne, Lucie et Emmanuel, sont à votre disposition pour approfondir tel ou tel point. On a eu beaucoup de questions par rapport aux présentations, donc on pourra vous transmettre. N'hésitez pas à nous solliciter, on pourra évidemment vous transmettre les présentations qui ont été projetées, sauf si vous me dites le contraire, Raphaël ou Hervé. Non, donc en tout cas, voilà, on a eu vraiment un certain nombre de demandes là-dessus.
Il y a la possibilité également de revoir en replay, vous aurez un lien pour revoir en replay cette conférence web. N'hésitez pas non plus à transmettre ce lien à certains de vos proches qui pourraient être intéressés, qui n'auraient pas eu la chance de le voir en direct. Voilà, je ne sais pas si Lisa, tu voulais dire un mot. Non, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter demain, comme l'a dit Maxime, si vous avez des questions. Et puis, dans tous les cas, pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre par manque de temps, on vous contactera demain pour faire le point avec vous. C'est parfait. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle web conférence. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir, excellente soirée.